Mais aujourd'hui, la recherche continue au Japon. Dans ce laboratoire, un chercheur français qui travaille à rendre nos appareils plus intelligents. Dans quelques années, par exemple, la définition de nos photographies sera si bonne que l'on pourra ensuite zoomer à l'intérieur pour y voir les moindres détails. Et il sera aussi possible de retirer très facilement un ou plusieurs éléments indésirables d'un cliché. En fait, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle dans les produits domestiques, dans les produits du grand public. Et dans moins de 5 années, la solution pourra être viable sur les appareils photo. Enfin, voici peut-être le caméscope du futur, un appareil composé de plusieurs caméras positionnées devant des miroirs. Il permet de tourner une vidéo panoramique d'une scène pour que demain, le spectateur puisse regarder la télévision.